Eh bien, c'est Miloulou, c'est XVSK, et aujourd'hui on se retrouve pour du Rise Son of Rome, biche. Installez-vous ici, juste après qu'on ait réussi à sortir des côtes barbares. Et donc maintenant on va devoir aller tuer les fameux archers là, les petits archers de merde. Où est-ce qu'on devait y aller, on sait où. Ah, je vois un bouclier. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. On va devoir chercher à choper les barbares. Alors par contre, aujourd'hui, je préviens, je ne ferai sûrement pas de... On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, donnez l'alarme. Des questions? Il est quelle heure? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est l'heure de mourir. J'avais vu, il m'a dit. Il s'est perdu. Aïe! Allez! Cogne! Alors, un petit coup de la gorge. Parce que la gorge, c'est cool. Ta gueule, gros! Par contre, ils ont quand même pu faire un effort pour la modélisation. Hein. Parce que c'est toujours les mêmes, hein, j'ai l'impression. Il doit y avoir des barbares dans toute la région. Ouais. Des barbares dans toute la région. Oh, ça va faire encore plus de sang à verser. Trouver. C'est trop dangereux de traverser ici. Il y a un petit chemin là-bas. Je sais pas ce qu'il y a dans ce chemin, mais on va y aller. Peut-être qu'on va rencontrer des loups, hein. Jamais. Ah! Quel destin est-ce là? Mourir étranglé ou pris au piège? C'est dégueulasse! Ça devait être la quatrième légion. Au moins, on peut dire que le jeu est mature. On y est ? Il y en a l'air d'y être. Ah ! Toi, je sais comment te tuer, toi, de toute façon. Parce que j'ai joué en mode coop pour tester un peu. Et, ah, ben d'accord, je commencerai mal. 1, 2, 3. 1, 2. Coup de boubou. Attaque chargée. Et t'es à moi. Et, ah, il avait l'air heureux de mourir, hein, lui. Bim. Bim! Attends, je t'arrache ton cœur. Ah! Moi, j'y passe pas. Il va encore y avoir des pièges, mais on va faire avec. Quel côté? La question, quel côté? Oh, je crois qu'ils arrivent. Si c'était une légion, on les aurait entendus. T'inquiète pas. Hey, hey. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, d'accord. Tu cherches ton acte, Romain? Tu t'es trompé de chemin, c'est ça? Allez! Bim! Bim! Non mais... C'est chiant parce que... Pour lui c'est difficile de savoir exactement quand il fait son... Sa putain de charge là.
Alors, hop. Oh, ma gorge. Oh. Hey, mais je dois aller où, là? Non, je viens de là, logiquement. Ça y est, je suis paumé. Putain, c'est une première, je suis paumé. Envoyez-le en enfer. Ah oui, viens m'envoyer en enfer. Ah ouais, bon. Alors, bim, bim. Ah, loupé. Voilà, coup légendaire. Bim, bim. Tu t'ouvres le ventre. Bim, bim, bim. Alors, hop. Ton bras, adieu. Ton bide, adieu. Et un petit vol plané en prime. Yeah. Mm-hmm. What? Ah, oh, merde, je me fais le putain. Tu as aimé, hein. Bon, c'est du menu frottin, donc on va pas se faire chier avec eux, hop. Allez, hop. Je me demande si tous les chemins vont pas amener de toute façon à la... Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Casse-toi. Je pense que tous les chemins vont amener à la rivière. De toute façon, là, il y a un piège en bas. Ouais, je savais. Qui tenterait de prendre la duc. Salut. Où se cache ta légion? La légion? Dans ton cul. Ah putain, d'accord. Allez, à double. Va se coucher, va. Mais pourquoi vous me dites de fuir si au final c'est vous qui allez fuir là? Alors, 1, 2, c'est tout. Cette déception. Oh, par contre, je vais pas me faire chier. Alors. Alors, on a mal? On a mal, mon gros. Allez, viens. 1, 2, 3. Bim, bim, bim. Oh, j'ai réussi à lui faire le combo. Ils sont plus nombreux que moi. Je dois vite retourner à la duc. Ah non, hein, moi je me barre pas. Hein. Moi je les massacre tous, un à un s'il le faut. Ah, il y a un machin qui court là. Easy. Ta 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 ta. Je suis un guerrier. J'ai tué des milliers de gens, mais je suis toujours pas confiant. Pour traverser un putain d'étang. De ce côté, leur légion approche. Positionne tes archers au bord de la route et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Tu dois pouvoir monter par là. Par où? Oh. Mmh. Oh, c'est frais. Ils sont inspirés de Dead Space ou quoi là? Mmh.
Allez. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord. LOL. Bonjour. Putain, parfois pour ramasser les trucs, c'est juste galère. Bon allez, vous savez quoi, on va se les faire au cac. De toute façon, les archers sont un peu gogol, j'ai l'impression. Hein. Ah, par contre, j'aime bien leur retirer les bras comme ça, ils auront plus jamais utilisé. Et tu sais quoi, ta main droite, bah tu ne branleras plus jamais avec. À l'échelle. Putain, mais prends les flèches. Mais merci. Merde. Ok. Ça ne sert absolument à rien. Vous savez quoi, depuis le temps, moi j'ai trouvé la technique qui tue. Ouais. Déjà, faudrait déjà trouver les ennemis. C'est la roulade style. Comme vous pouvez le constater, la roulade style est juste très pratique. Il suffit juste d'esquiver les coups. Bam. Bim. Bim. Aïe. Genre. Oh, attendez, il me faut de la vie là. Allez, ta tête, tu lui dis au revoir. Arrêtez la baliste. Elle est où la baliste? Elle est où leur ba... Putain. Un, deux. Bim. J'allais dire, mais il est passé où? Ah, tu m'as égorgé, je vois plus rien. Ah, maman, j'arrive. Allez, j'en remets une couche dans le cul. Oula, qu'est-ce qu'il va y faire? Ah ouais, carrément. J'aimerais bien voir de la décapitation, moi. J'en ai marre de voir que des bras qui volent. Allez, mon petit vieux. Tu ressembles au mec de Massiaf. Bon. Comment est-ce qu'on va là-bas maintenant? La tige de Veringou de Coinstion, comme on dit, hein, dans le bon franco-belge. Ah bah ça y est. Oh putain, il est balèze lui, hein. Oula, 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 oula. Calme. Ah bah oui. Eh bâtard, t'arrêtes. Il est où ton dieu maintenant? Hein? Il est où ton dieu quand je t'égorge? Nulle part, hein? C'est bon! Avancez! Ah ah ah, vas-y ma grosse! Oh putain! Y'a du lourd! Mais laissez-moi taper par terre, bordel! Oh boum! J'adore quand il fait ça, ça. Oh bim!
Alors, coup de boubou dans ta gueule. P. Coucher. Coucher. Et coucher. Encore des copains. Et hop. Ta gueule. Voilà. Je fais un peu de faire les doubles éliminations parce que c'est plus marrant. Un autre monde charge. Je dois seulement pousser ça. Alors je suis où là? Pas besoin de regarder chez le... Oh putain. C'est un massacre sans nom. Et après on s'étonnait qu'à l'époque il y avait la peste partout hein. C'est quoi ce boost tout écrasé? Boudica termine sa rafale de combo avec une attaque lourde. Ah d'accord, facile. Eh bien, 1, 2, 3, esquive. D'accord, tu veux jouer à ça? Tiens, 2, 3, bim, 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 bim. Ah ça va pas marcher. Aïe, aïe. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. D'accord, tu veux pas. Allez Boudica, t'as pas l'air très boudiné en tout cas hein. Bah blague de merde. Aïe. Aïe. Mais non mais... Oh putain. Désolé, le réflexe du spamming. Un, deux, trois. Allez ma fille. Ça fait mal hein. Oh la sale gueule qu'elle avait. Salut. Prends-moi mon épée, s'il te plaît. Vous voulez jouer à ça? Nos soucis. Merde, putain. Ta gueule. Tiens, je te coupe le téton, moi. En avant, mes amis! Rome vaincra! Laissez-moi passer. Oh putain, il y a un piège en dessous de moi là. En formation. Allez. Vous avez pas des lances? Préparez-vous.
Oh merde, comment j'ai succès là? Alors gauche et après droite. Il est mort. Allez hop. Sayonara. Ouais, ça fait un strike là. Ah non. Formation tortue les amis, formation tortue. Formation ronflex, moi je l'appellerais plutôt. Y'a personne. C'est très lugubre ici. J'arrive, il y a quelqu'un au fond là. Ah ouais, lui il a cru au Père Noël hein. Tom, 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 tom. Salut! Il va où? Allez mec, on y va, il y a juste un pont, c'est sûrement un putain de piège. Passage en main droite, ok, let's go. Aïe! Occupez-les. Attaquez à mon commandement. Vous inquiétez pas les mecs, je vais me les faire. Parce que moi, je suis un Spartan. Pourquoi je dis toujours Spartan? Faudrait dire T-Sparta ou je sais pas. Toujours le vieux réflexe de Halo. Ah, mort. L'île ne tiendra pas longtemps. T'es où, connard? Allez, dépêche-toi, mon gros. Tape un petit sprint. Ah, il y a une lance par terre. On va aller la ramasser. Salut! Chargé! Vamos! Pourquoi je peux pas descendre? Ah si, quand même. C'est l'heure de la baston! Tiens! Miam miam miam! Dans ta gorge, bâtard! Et de 1, et de 2, et de 3. Allez mec, on y va. Je suis plus mieux, je suis mieux stuffé que vous, mais vous inquiétez. Oh putain, comment. Regardez-les comment ils courent, sérieux. On dirait qu'ils sont, ils sont en train de se chier dessus, les pauvres. C'est comme ça qu'on détruisait les portes à l'époque, ok. Ouais, j'ai pas envie de me faire chier, je sais.
Qu'est-ce qu'il y a? Allez hop. D'accord, vous voulez jouer à ça? Nos soucis. Hop. 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 Quel dommage qu'on doive arrêter le combat ici, hein. Yeah. Je t'ai ouvert le bide. Vol. Oh merde, ça a pas marché. Hop. Hop. Et merde, j'ai failli. Pas grave. Encore un petit coup, vite fait. Dans le bide. Eux, on va pas prendre la peine de se faire chier avec eux. Voilà, hop. Toi, ta face, tu la ramasses. Easy. Alors, tu veux toujours te battre? Jamais la paix si nous les traitons ainsi. Ce doit être l'œuvre des prétoriens. Halt ! Frère Romain, je vous présente Basilius, le fils de l'empereur. Commandant Vitalian, vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... La garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille.
écoutez-la jusqu'à ce qu'il parle ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Comment ? Posez-vous ! Comment osez-vous ? Je suis le fils de l'empereur. Je fais ce que bon me semble. Pas ça ! Non ! Pitié ! Pas ça ! Je vais tout vous dire ! Nous avons livré le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié ! Relâchez ma fille ! Je vous en supplie ! Voyez ! C'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et s'en font. Les êtres d'un autre âge hantent ce pays et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Commandant Vitalion, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes désolées. Et ramenez mon frère. Garde, enfermez les prisonniers. Prépare les hommes. Vous entendez, commandant? Préparez-vous à marcher. Centurion, nous partons au nord. À vos ordres. Vitalion mena nos forces au nord, par-delà les frontières de l'Empire, aux confins du monde. Nous affrontâmes des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, tellement redoutables que même les légions d'élite romaine n'avaient pu les soumettre. Les paroles d'Oswald nous revenaient à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Le fort de Glott. On raconte que ce sont les portes de l'enfer, un lieu lugubre plongé dans des flammes éternelles. Je crains que ce qui se passe ici, aux confins du monde, touche bientôt le cœur de l'Empire. Ingénieur, mouillez les pots. Antonius, vérifie les cordes. Otto, ajuste les poutres. On s'écarte à 10 heures. À vos ordres. Oh, j'ai une petite cape. Ah, j'avais oublié qu'à cette époque, les Romains ils savaient pas que la Terre était ronde, hein. Ils pensaient que la Terre était plate. Nous allons sauver Commodus. Ils construisent ces géants d'osier pour les sacrifices importants. Il doit donc être par là. Nous attaquerons à la faveur de la nuit. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Je fasse quoi là exactement? Vous entendez? Ce n'est rien. Bon, sinon, avant que je sois coupé, je voulais vous dire que aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas de Shadow Fall parce que je suis un peu en retard sur le planning, malheureusement. Et je pense pas que, vu que maintenant je suis du 1080p, c'est quasi impossible pour moi de. Enfin, c'est pas impossible, mais le problème c'est que la vidéo arrivera vraiment vraiment trop tard et vous serez sûrement tous couchés, donc... Donc voilà, hein, depuis qu'on fait du 1080p, moi je dois me lever à 9h du mat si je veux proposer des vidéos. Oui oui, je me lève à midi d'habitude. Une sorte d'animal. Un animal qui marchait sur deux jambes. Taisez-vous. Ces bêtes nous auraient déjà attaqué. Non, elles sont aussi sages pour craindre Rome. Au pas de course. Bref, allez, allons voir ce qu'il y a ici. C'est quand que je vais voir ces hommes mi-hommes mi-bêtes? Je passe devant.
Oh bah ça va être facile. Ce sont juste des hommes avec des peaux de bête. Ah non, j'ai rien dit. Non ! Pas question que je me barre d'ici. Je compte bien tous me les faire. Tu aimes ça, ma salope, hein? Et si je te faisais une attaque chargée? Ah, tu m'as loupé! Ah, lui, il m'a pas loupé. Oh putain, il m'a vraiment pas loupé. Ou non! Bon, tant pis. Maudrage! Allez, hop! Oula, lui il est gros. Oh, il est pas beau. Lève-toi, fils de Rome. Ton empire a besoin de toi. Sauve-le. Eh ben. Je dois trouver mes hommes. Bon, mais finalement, ouais, ça va être un peu plus long que ce que je pensais, hein. C'est pas plus mal. Ah, coup légendaire. Facile, suffit de spaméa. Hop. Pas mal, c'est bon. Toum, 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 toum. Hop, on respam. Ah. Toum, toum. Hop, on respam. Ah. Toum, 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 toum. Ah. Oh, bébé. Oh, je suis un ouf, j'ai une grosse masse. Je veux te faire la peau. Ah bah non, c'est moi qui veux te faire la peau. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Easy. Et vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Ah, oui, je suis un gros bâtard, je sais. Bon, allez, loulou. Sur ce, j'espère que cette nouvelle partie vous aura plu. Ou attendez, on a quand même 120 000 points, je tiens à le préciser.
120 000 points, c'est pas négligeable. Par contre, je vais peut-être augmenter ma barre de rage. Oh putain. Non, je peux plus augmenter ma barre de rage, j'ai l'impression. Ça y est, je suis pauvre. Je suis devenu pauvre. Tiens, imaginons. Qu'est-ce qui se passe si je vais voir dans... si je retrouve dans le jeu? Est-ce que ma barre de vie a augmenté? Ah bah j'arrive même pas à voir, super. Bon bah c'est pas grave, hein. Bon, en attendant, je vais juste vous montrer à quoi mon magnifique héros... NON ! Quel con ! Quel con ! Je me suis gouré de section ! Ah putain, bon bah au moins vous avez pas à vous plaindre, hein. J'ai amélioré pas mal d'exécutions donc... Ah non, j'avais zappé ça, que c'était pas de ce côté. Ah putain, je suis trop con. Oh merde quoi. Putain, fait chier quoi. Bon, allez, ben maintenant j'ai les nerfs. Et ben vous savez quoi, je m'arrête ici. Prenez soin de vous, prenez soin du canard, n'oubliez pas d'avoir là. Attitude de connaître et que j'ai trié les poils au cul. Vous connaissez la chanson, que c'est ce dicton. Je vous laisse, je vous souhaite un bout tout partout. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Dead Rising 3. Ciao, bye et peace.